Désormais, le match est délocalisé et sera joué à Accra, au Ghana. Ceux qui suivaient l'actualité en ce moment peuvent peut-être se rappeler, nous avons malheureusement accepté cette décision qui n'était pas de notre goût. Même, c'est vrai que parce qu'on avait aussi envie d'être soit à la Coupe du Monde ou à la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, le match a été délocalisé pour le Ghana. Nous avons joué contre le Burkina Faso. Malheureusement, nous avons perdu le match 2-1. C'est ce que je peux vous dire par rapport aux événements du 28 septembre. Monsieur Keïra, oui. Le 26, vous étiez parti à l'Abbé. À l'Abbé, oui. Avec le président et des membres du gouvernement. À votre retour, est-ce qu'il a été question, parce que vous avez dit ici que tout le monde était informé de cette manifestation ou de ce meeting du 28 septembre, est-ce qu'il a été question au sein du gouvernement d'une réunion ou d'une entente pour parler des préparatifs au moins de cette manifestation? Bon, je crois que cela se faisait au niveau du président qui négociait avec les religieux et puis certains leaders de partis politiques. Est-ce que le gouvernement, non, le gouvernement s'est non. réuni? Est-ce que vous avez assisté à ça? Je n'ai pas assisté à une réunion du gouvernement. Non. Le 28, vous êtes venu au camp? Oui, vers 18h, nous avons été appelés pour que... Vous avez dit que le Premier ministre s'est adressé à vous. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'était déplorer ce qui s'est passé. Il a même fait un communiqué, hein, le Premier ministre, à l'époque. Il avait fait un communiqué. Qu'est-ce qu'il déplorer, a dit en substance, déplorer ce qui s'est passé. Vous pouvez nous dire en substance ce qu'il vous a dit, si vous vous souvenez? Non, il a déploré l'acte et il a demandé à tous les membres du gouvernement, par rapport à ce qui s'est passé, de faire profil bas et de tenir des propos d'apaisement. C'est ce qui a été simplement dit. Est-ce que par endroit, il ne vous a pas dit ceux qui ont commis cet acte? Non. Ceux qui ont commis cet acte, il y avait plusieurs versions qui se disaient. Donc, lui n'a pas touché ce côté. Qu'est-ce qui se disait que vous avez entendu? Oui, tout le monde sait qu'on a dit que c'est les Bérets Rouges qui sont venus au stade du 28 septembre. Mais moi, je ne peux pas le confirmer parce que je n'étais pas là-bas. Est-ce qu'on a dit le nom de certains Bérets Rouges? Non, on a dit le nom de personne. Et la réunion n'a même pas fait 30 minutes. C'était juste nous informer. Et on vous a simplement dit que ce sont des Bérets Rouges qui sont venus au stade. Voilà. Mais alors, cette réunion, on n'a pas parlé de Bérets Rouges. Vous avez dit 10 jours après, vous êtes venu au stade. Oui. Vous avez décrit ce que vous avez constaté là-bas. Justement, ce problème a été... J'ai entendu les rumeurs aussi en disant que on est venu laver du sang, on a mis la peinture. Les peintures du stade du 28 sont restées telles. Ce n'est que d'ailleurs en... Quand 2000... est-ce qu'on a commencé la rénovation du stade? Comment? Quand est-ce qu'on a La rénovation a été stoppée parce que le match a été délocalisé. Il n'y a pas eu de rénovation. Quand est-ce après... Il a eu lieu, je après, crois, s'il vous plaît, seulement un s'il mot. S'il vous plaît. Oui. On va se comprendre. Après ces événements du 28 septembre, vous dites que vous avez pris 10 jours pour venir au stade. Oui. Pour venir constater ce qui s'est passé et voir éventuellement si le stade pouvait accueillir le match tout du 11, comme vous l'avez dit. Parce que 10 jours, c'était le 8. Quand vous dites 10 jours, certainement c'était le 8, d'après mes calculs. Est-ce que c'est après ça qu'il y a eu rénovation du stade? Oui, c'est après ça qu'il y a eu rénovation du stade. En fait, ce n'est pas une rénovation. C'était les parties qui étaient gâtées qui ont été reprises. Quand est-ce ces travaux ont... Ça a eu lieu seulement un mois après le match du Burkina Faso. Parce que ça se faisait si le match devait se jouer à Conakry. C'était pour anticiper. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui. Après le 28 septembre, il y a eu combien de temps? Combien de temps pour rénover le stade? À peu près un mois. Pour les petits travaux là. Pour à peu près un mois.
parce que c'était un des travaux d'urgence pour que le match ait lieu. Mais puisque le match a été délocalisé, tout a été arrêté. Ça a été fait, mais après. Un mois. Oui. Il y avait quel autre match? Mais on était éliminé. Ça veut dire qu'il y avait, qu'il y avait aucun autre match. Non, il n'y avait aucun match. Après aucun. Celui reporté. Aucun autre match, oui. Donc un mois tout juste, le stade a été rénové. Oui, seulement un mois après. Et il n'a pas été rénové. Attends, s'il vous plaît, monsieur le président. Peut-être que c'est... On se trompe, c'est les parties endommagées. On se trompe de mots. Alors, les parties endommagées... Voilà, avec les précision. Les parties endommagées ont été réparées. Ont été réparées. On est d'accord. Et gratuitement, oui. Et qui avait demandé cela? C'est moi qui ai demandé à l'entreprise Gicopresse de faire ce travail. Et c'est l'entreprise Gicopresse qui avait fait ce oui, travail. Qui a fait un ce mois, travail. C'était... Alors, au mois d'octobre. Je crois. Au mois d'octobre. Ouais. Fin octobre, début novembre. Début novembre, je crois. Ministère public des questions. Merci, monsieur le président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur Oudiba Kera. Oui. Voilà, moi je voudrais d'abord savoir, avant de vous poser des questions par rapport à votre récit, je voudrais connaître quel est votre rapport, étant ministre de la Jeunesse au moment des faits, et la direction qui gérait le stade du 28 septembre. Quel était votre rapport? Non, mais nos rapports étaient des rapports sains, des rapports de collaboration. De collaboration. Ouais, est-ce que vous êtes la hiérarchie supérieure? Oui, la tutelle, oui. La tutelle. Tout à fait. Quelle appellation pouvons-nous donner et à la direction? C'est quelle structure? Non, c'est une structure, pas une EPA. Mais c'est un service rattaché. C'est un service rattaché. Oh, oui, du ministère, oui. Mais toute décision qu'elle entreprend... C'est autonome, mais elle se réfère toujours à la tutelle. À la tutelle qui est... Le ministère des ministère Sports. De la Jeunesse et des Sports. Oui. Des Sports. Voilà. Alors, avant, je ne vais pas vous poser des questions par rapport à votre voyage sur l'abbé, mais... À votre retour, est-ce que la direction vous a fait savoir qu'il y a une manifestation qui est en vue par les forces vives? Bon, la direction aussi apprenait par voie de presse, parce que les forces dites vives faisaient beaucoup de communication là-dessus. Mais administrativement, est-ce que vous avez reçu... Non, ils ne m'ont pas envoyé de courrier que moi j'ai reçu, que j'ai vu. Non. Vous n'avez pas reçu de courrier? Non, je suis ferme là-dessus. Vous n'avez reçu aucune demande? Non, aucune demande. Vous n'avez reçu... Jusqu'au jour où je quittais Conakry, et parce que lundi était férié, je suis revenu le mardi, j'ai posé la question, je n'ai pas reçu de courrier. Je suis ferme là-dessus. Alors, vous êtes arrivé... vous dites le 27. Oui, le 27. Soir. Le 27. Est-ce que, étant membre du gouvernement, vous avez eu à participer à une réunion quelconque? Non, aucune réunion. Avec vos homologues? Non, aucune réunion. Je viens de le dire au président du tribunal, aucune réunion. Aucune réunion? Non, spécifiquement. Étant ministre de la Jeunesse, alors que le stade du 28 septembre était prévu pour cette manifestation, vous n'avez jamais été interpellé par... la hiérarchie, pour vous parler de cette situation? Non, parce que simplement, la hiérarchie savait que les décisions avaient été prises 3 semaines avant que le stade n'était pas disponible. La hiérarchie ne vous a pas donné de consignes fermes? Non, pour empêcher tout. Ou pour ne pas mettre le stade à la disposition non, des je suis ferme là-dessus. La hiérarchie, le président de la République, le Premier ministre, personne n'a mis une... m'a donné fait une pression par rapport à ça.
Et cette décision a été prise de commun accord avec la Fédération guinéenne de football qui propose, d'ailleurs, quand il y a des trucs, qui nous donne des directives à suivre. Voilà. Et quand c'est comme ça, nous prenons automatiquement des dispositions, parce qu'en cas de défaite, il ne faut pas que ces structures-là disent « Ah, c'est le gouvernement ou le ministère qui a fait que nous avons fait ceci, cela. » Non. Alors, comment vous avez appris que les forces vives devraient faire la manifestation au stade? C'est par voie de presse. Par voie de presse. Par voie de presse, oui. Vous venez de dire tout à l'heure qu'il y avait eu une interdiction de toute activité sportive au stade, en prélude du match et des compétitions combinées Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Et la Guinée devrait affronter le Burkina Faso, si je ne me trompe. Tout à fait. Cette interdiction s'étendait sur toutes les activités sportives ou bien c'était seulement sur la pelouse ou l'esplanade de 28 septembre? J'ai été très précis que c'était la pelouse du 28 septembre et que les matchs pouvaient et des manifestations pouvaient se faire au stade annexe. Et j'ai aussi relevé que le stade du 28 septembre est un stade omnisport, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs disciplines qui sont pratiquées, du tennis de table, comment on appelle ça, à la boxe, au judo, au basketball, au handball. Toutes ces disciplines-là se pratiquent au stade du 28 septembre. Vous ne pouvez pas bloquer le stade, vous ne pouvez pas fermer le stade du 28 septembre. Ce n'est pas possible. Mais c'est la pelouse du stade qui devrait avoir une inspection conjointe de la FIFA et de la CAF quelques jours avant. Parce que quand vous avez le malheur que cette inspection vienne et qu'il y a des parties qui ne sont pas bien indiquées, qui ne sont pas conformes, automatiquement, c'est des sanctions et ensuite votre match est délocalisé. Lorsque c'est délocalisé, vous n'avez pas de public où vous partez. La preuve, nous sommes allés au Ghana. Il y avait plus de Burkinabés que de Guinéens au stade. Est-ce que vous vous rappelez la date à laquelle on vous a donné ces instructions-là? Quelle instruction? L'instruction selon laquelle aucune activité sportive n'était... Trois semaines avant. Trois semaines. Ouais. Et il y a un document du stade qui en fait foi. Qui en fait foi. Voilà. Monsieur Okera, je voudrais revenir sur une manifestation qui avait été organisée pour soutien de la candidature du président Dadis au stade. Est-ce qu'à l'époque, vous étiez ministre de la Jeunesse? Non, il y avait une manifestation qui était organisée pour soutenir la candidature du président Dadis. Vous étiez ministre à l'époque? Non, j'étais directeur de l'Office guinéen de publicité, de l'OGP, parce que j'avais quitté l'Agence guinéenne de spectacle. Vous vous rappelez quel temps? Non, c'est pas la même période. C'est pas la même période? Non, c'est pas la même période. C'était il y à quel a moment même, il y a deux ou trois mois avant. C'est deux ou trois mois. Non. Est-ce que avant cela, l'interdiction avait été faite? Non. L'interdiction, en fait, c'était juste pour le match. Pour le match. Du 11. Je voudrais savoir si cette manifestation de soutien à la candidature de président Dadis était antérieure à l'interdiction des activités sportives au stade. Oui, bien sûr, elle était antérieure. C'était antérieure. Elle était antérieure, oui. Le stade, le 28 septembre, vous dites que vous étiez à la maison. Oui. Vous n'êtes pas sorti. J'étais chez moi. Vous n'avez rien vu. Rien du tout. Vous n'avez rien entendu, sauf les informations que vous avez reçues à la télé. La radio que je suivais. Je vais m'appesantir sur votre présence après 10 jours au stade. Qu'est-ce qui vous a motivé? Les services scientifiques de la gendarmerie, de la police et d'autres structures internationales feraient le travail d'enquête qui faisaient leur travail. Nous sommes venus juste constater et nous sommes repartis. C'était juste le motif de votre déplacement? Le motif, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à demander au président... au PDG de la société Guico Press de faire les travaux de, si vous me permettez, de rénovation, puisqu'il y a eu des endroits qui ont été endommagés. Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, je vous l'ai dit. Cherchant, je n'ai pas fini ma question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a motivé, cherchant
qu'il y a eu ces événements macabres au stade du 28 septembre. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement? Ou bien vous avez reçu une instruction de la hiérarchie? Je n'ai reçu aucune instruction. Je rappelle encore que je suis très responsable et je parle sous le contrôle, peut-être dans le box des accusés, celui qui est dans le box qui est le plus gradé de tout le monde, le président de la République, le président Dadis. Il me connaît depuis l'école. Il sait que je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Personne, je n'ai reçu aucune instruction. C'était juste dans le souci de rendre notre terrain opérationnel pour ne pas que le match soit délocalisé. Et malheureusement, le match a été délocalisé. Malheureusement, très malheureusement. Sachant qu'il y a eu des infractions très graves qui ont été commises au stade du 28 septembre, vous ornez à une société de la place d'aller réparer certaines parties endommagées. Les travaux n'ont pas été faits. N'ont pas été faits. J'ai demandé, et aussitôt un jour ou deux jours après, la FIFA a envoyé une notification pour dire que le match n'a pas lieu. Donc, on a laissé tomber. C'est plus tard que ça s'est fait. Alors, pendant votre présence, après les 10 jours, est-ce que vous avez constaté les traces de balles sur les murs? Oui, il y avait des traces de balles. Vous avez constaté les traces de balles? Oui, il y avait des traces de balles. Vous avez constaté, vous venez de dire, vous avez constaté les chaussures qui les étaient éparpillées. Des chaussures, des gens qui certainement étaient en débandade, des sachets d'eau qui étaient par sur la pelouse. Et même à la rentrée, dès que vous rentrez au stade vers le palais des sports, vous verrez ces trucs-là. Est-ce que vous avez trouvé des pagnes des femmes? Non, je n'ai pas vu. Des habits? Je n'ai pas vu d'habits. Vous n'avez pas vu d'habits? Non. J'ai pas vu d'habits, j'ai pas vu de pagne de femmes, non. Il y a un commissariat au niveau de l'esplanade du stade. Oui. Vous connaissez le commissariat? Oui. Est-ce que vous avez vu l'état dans lequel était ce commissariat au moment de votre présence? Non, j'ai pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention? Je suis venu en voiture avec les membres de mon cabinet, les journalistes. Nous avons garé là où les footballeurs rentrent, nous avons garé les véhicules et nous avons fait tout à pied. Vous confirmez, pour finir, que les travaux n'ont pas été exécutés comme il fallait. Vous avez arrêté les travaux? Non, oui, ils ont été arrêtés. Parce que simplement, ce pourquoi les travaux devaient être faits, malheureusement, le match a été délocalisé. Les travaux ont été exécutés à hauteur de combien de pourcents? Ce n'est pas un problème de pourcentage. C'était juste les portes qui étaient cassées, les fauteuils. Il fallait juste mettre des vis. Et puis, pas de peinture. Vous n'avez pas fait de peinture, c'est ça qui nous pas eu, je précise, il n'y a pas eu de peinture. Non, parce qu'il n'y avait pas de problème de peinture au stade. Lorsque moi je suis venu, il n'y avait pas de problème de peinture. Je suis formel là-dessus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, Monsieur Faudéba, merci d'être venu. On va donc continuer avec notre questionnaire. Moi, je veux savoir pourquoi vous avez attendu 10 jours pour venir au stade. Je ne peux pas venir au stade parce que lorsqu'il y a une scène de crime, il faut s'abstenir de venir. Moi, je suis une tête connue dans ce pays. Dès qu'on voit ma tête, on dira « Ah, il était là, il a assis. » Toutes les victimes qui ont défilé ici, vous avez entendu mon nom? Jamais. Donc, j'ai évité cela. Je suis un homme au-delà de mes fonctions, qui est connu sur le plan national et sur le plan international. J'ai évité de venir. Et ce n'était pas normal de venir en ce moment. Je dis bien que je ne suis pas magistrat, je ne suis pas un homme de droit, je ne suis pas policier ni gendarme, mais je sais que quand il y a même un accident de circulation, il faut circonscrire jusqu'à ce que ceux qui viennent constater l'accident fassent leur travail. C'est tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez vu des douilles? Des douilles, non. Moi, quand je suis venu, je n'ai pas eu de douilles. Mais j'ai vu des séquelles de balles sur les murs. Ça, j'ai vu. D'accord. Est-ce que la question des massacres avait été abordée lors d'un quelconque conseil des ministres? Ben oui, évidemment. Et après, il y a eu des conseils de ministres.
Je précise que le président Dadis ne venait pas au Conseil des ministres, mais c'est le Premier ministre qui... D'ailleurs, ça, généralement, à part certaines personnalités militaires, la plupart des militaires qui gouvernent le pays, les pays, généralement, ils ne viennent pas. C'est le Premier ministre qui gère, mais ça a été posé. La preuve, le 28, on nous a appelés pour nous dire, voilà, c'est que c'est posé, la gravité de ça, voilà, profil bas, apaisement, apaisement. C'est tout ce qui avait été dit. Oui, et ensuite, des commissions ont été mises sur pied, qui ont été constituées, parce qu'il y avait des membres du gouvernement dedans, et puis des religieux, je crois, et puis d'autres personnes ressources, des médecins, tout ça, pour gérer. Lors de la restitution des corps à la mosquée Faisal, vous étiez présent? Non, je n'ai pas été. Est-ce que vous étiez dans une quelconque commission? Aucune commission.